Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui coloriage. Alors aujourd'hui en coloriage, je vous présente une nouvelle boîte de crayons de couleur que l'on m'a offert. C'est Chouchou qui m'a offert une boîte de coloriage. Je suis super contente. Alors c'est les Prismacolor. Voilà, il m'a offert la boîte de Prismacolor. Les Prismacolor première Softcore, voilà. Alors je vous montre la boîte. Oh, elle est lourde. Voilà. Donc c'est une belle, très jolie boîte. Alors derrière, on a le nuancier ici, voilà. Je vais vous l'ouvrir juste après. Je vous baisserai la caméra. Donc c'est une boîte qui comporte 150 crayons. Alors, ce sont des crayons avec des mines, si je ne me trompe pas, des mines de cire. Voilà. Donc, c'est des crayons qui sont parfaits pour le coloriage, pour la superposition des couleurs, pour le mélange mélanger les couleurs, les ombrages. Voilà. C'est vraiment le top en crayon. Il y a aussi les Faber-Castell hein, qui sont super comme crayons. Et ces crayons-là, on peut dire qu'ils sont avec les Faber-Castell aussi bons. Voilà. Je ne connais pas encore les Faber-Castell. Peut-être un jour, je les aurai. Voilà. Mais ceux-là, c'est déjà ce qu'on appelle les crayons d'artiste. Voilà. C'est déjà de la très très bonne qualité. J'ai déjà fait donc aujourd'hui un coloriage avec, donc vous le verrez. J'ai fait le coloriage en entier, voilà, donc la vidéo sera un petit peu longue aujourd'hui, donc bon, j'espère que vous la regarderez jusqu'au bout, mais si vous trouvez qu'elle est un peu longue, vous coupez et puis vous regardez un petit peu après le reste, voilà. Mais là j'ai souhaité faire la vidéo en un seul morceau, comme ça bah, vous voyez tout. Donc la vidéo après, je ne l'ai pas fait en très grande vitesse, comme ça bah, vous pouvez bien voir ce que j'ai fait au niveau du coloriage. Voilà. Là ce que je vais faire, je vais vous baisser la caméra pour que je puisse vous présenter les crayons et vous montrer. Donc il y en a déjà que j'ai commencé à utiliser, que j'ai commencé déjà à tailler, mais bon, c'est pas un gros souci. Donc là pour l'instant ils sont rangés comme je les ai reçus. Moi là comme ils sont rangés, ça ne me plaît pas parce qu'ils ne sont pas rangés par numéro, et du coup je perds beaucoup de temps à chercher les crayons. Donc moi là cette semaine je vais tout remettre en place par ordre croissant. Ce sera beaucoup plus simple pour moi pour mieux retrouver les crayons. Voilà. De toute façon par la suite après je vais certainement m'acheter une trousse une trousse exprès de crayons de couleur pour bien les ranger dedans. Mais bon, ça je verrai un petit peu par la suite. Là, je vous baisse la caméra pour vous présenter les crayons. Donc, voilà la boîte qui est très jolie. Alors, ce n'est pas une boîte en fer, c'est une boîte en carton. Bon, je pensais que ça allait être une boîte en fer, mais bon, c'est pas un gros problème. Je l'ai reçue en très bon état. Alors, voilà comment on reçoit les crayons. Donc il y a trois racks de chaque côté de crayon. Donc voilà, 1,
deux, et le troisième en dessous. Voilà, et pareil ici. Voilà. Donc comme vous voyez, bon, j'en ai déjà que j'ai utilisé, qui ont déjà été taillés. Alors, on les reçoit comme ceci. Les pointes, vous voyez, sont des petites pointes quand on les reçoit. Hop, hop, hop. Voilà. Et c'est pour ça que moi, je les retaille pour travailler sur mon coloriage, parce que j'aime bien travailler avec des pointes bien pointues. Mais bon. Alors, c'est les crayons qui sont ronds, voilà. Donc, vous avez dessus le numéro. Alors, attendez, je vais peut-être en prendre un plus foncé, on verra mieux. Je vais prendre celui-là, on verra beaucoup mieux. Alors, vous avez le numéro, le nom de la couleur, voilà, et la marque du crayon. Alors, j'ai bien, quand je les ai reçus, je voulais regarder des vidéos sur Internet et je suis tombée sur une vidéo qui m'a fait peur. Parce que la youtubeuse qui les avait reçus a eu une très mauvaise expérience quand elle les avait reçus. Elle les avait eu aussi chez Amazon, comme moi. Et elle avait reçu son premier envoi, il n'y avait que deux racks, il manquait deux racks de crayons, déjà. Donc, moi ça va, ils étaient complets. Et donc, le fournisseur lui en a renvoyé une boîte complète. Et elle avait des soucis avec les crayons. Elle a eu beaucoup de crayons qui étaient fondus, abîmés, mais alors fondus vraiment tout du long. Donc c'est la première chose que j'ai faite, c'est de regarder mes crayons un par un, tout de suite. Et je n'avais aucun souci sur mon crayon, sur mes crayons. Donc j'ai été rassurée. Donc j'ai eu peur sur le coup parce que bon, je sais que c'est quand même des boîtes qui coûtent assez cher et donc ça m'aurait embêté d'avoir eu des soucis avec. Mais bon, elle a eu une mauvaise expérience, mais bon, ça s'est arrangé pour elle. Heureusement, le fournisseur a été super sympa et moi, bon, je n'ai pas eu de problème avec ma boîte. Voilà. Elle, en tout cas, elle a eu le droit de garder la première boîte. Ils lui ont laissé et lui ont renvoyé une deuxième boîte gratuitement. Voilà. Donc, ce qui prouve que le fournisseur de la marque Prismacolor est une très bonne marque. Voilà. Et qui fait quand même très attention à ses clients. Voilà. Alors, comme j'ai fait un coloriage aujourd'hui, je peux déjà vous dire que c'est des crayons... qui au niveau coloriage qui vont très très bien. Moi j'ai, bon, comme vous savez, je travaillais d'abord avec les Castel Art, hein, et puis bon avec ceux d'Action, mais bon, Action c'est des crayons de couleur, c'est tout, voilà. Les Castel Art c'est une très bonne marque aussi, mais là on voit déjà que c'est encore une autre gamme supérieure. C'est pour ça que je me suis lancée dans mon coloriage aujourd'hui, que j'ai voulu aller jusqu'au bout parce que je prenais vraiment du plaisir à faire mon coloriage avec mes crayons. Voilà. Donc je vous mettrai en barre d'infos le lien pour retrouver cette boîte de Prismacolor. Chouchou me les a achetés sur Amazon, donc je vous remettrai le lien sur Amazon. Donc voilà. Me revoici. Donc voilà, vous allez donc voir la suite de ce petit blabla.
Donc mon coloriage, donc j'ai choisi un coloriage d'Emmanuel Colin. Donc vous savez que maintenant j'adore ses coloriages, j'adore ses dessins. Et là j'en ai choisi un qui fait partie des carnets de coloriage d'Emmanuel Colin. J'ai adoré le faire, voilà. Donc celui-là a une chouette avec. Et je trouve vraiment magnifique une fois terminé. Voilà. J'ai vu d'autres versions déjà colorées sur Internet. Et toutes les versions sont vraiment magnifiques. Donc j'espère que la mienne vous plaira. Voilà. Donc je vais vous laisser visionner cette petite vidéo, j'allais dire, mais elle est plus longue que d'habitude. J'espère que vous pourrez la regarder jusqu'au bout, sinon, comme je vous ai dit, vous coupez quand vous en avez marre et puis vous regardez la suite après. Voilà. Mais n'hésitez pas à me laisser des commentaires, comme d'habitude, sous la vidéo, à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo et de mon coloriage. Voilà. Et nous, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses, comme d'habitude. Je vous embrasse tous très fort et je vous souhaite un bon visionnage. À bientôt. Bisous, bisous.